Hallo Leute, aujourd'hui, les souffrances du jeune Werther vont vous être contées par Pomme, une lectrice du site littérature-audio.com qui ont accepté de me prêter leurs audios. Alors, bonne écoute. Livre second, 20 octobre. Nous sommes arrivés hier. L'ambassadeur est indisposé et ne sortira pas de quelques jours. S'il était seulement plus liant, tout irait bien. Je le vois, le sort m'a préparé de rudes épreuves. Mais courage, un esprit léger supporte tout. Un esprit léger. Je ris de voir ce mot venir au bout de ma plume. Hélas, un peu de légèreté me rendrait l'homme le plus heureux de la terre. Quoi ? D'autres, avec très peu de force et de savoir, se pavanent devant moi, pleins d'une douce complaisance pour eux-mêmes. Et moi, je désespère de mes forces et de mes talents. Dieu puissant, qui m'a fait tous ces dons, que n'en as-tu retenu une partie pour me donner en place la suffisance et la présomption ? Patience. Patience, tout ira bien. En vérité, mon ami, tu as raison. Depuis que je suis tous les jours poussée dans la foule et que je vois ce que sont les autres, je suis plus content de moi-même. Cela devait arriver, car puisque nous sommes faits de telle sorte que nous comparons tout à nous-mêmes et nous-mêmes à tout, il s'ensuit que le bonheur ou l'infortune gît dans les objets que nous contemplons. Et dès lors, il n'y a rien de plus dangereux que la solitude. Notre imagination, portée de sa nature à s'élever et nourrie de poésie, se crée des êtres dont la supériorité nous écrase. Et, quand nous portons nos regards dans le monde réel, tout autre nous paraît plus parfait que nous-mêmes. Et cela est tout naturel. Nous sentons si souvent qu'il nous manque tant de choses. Et ce qui nous manque, souvent un autre semble le posséder. Nous lui donnons alors tout ce que nous avons nous-mêmes et encore par-dessus tout cela certaines qualités idéales. C'est ainsi que nous créons nous-mêmes des perfections qui font notre supplice. Au contraire, lorsque, avec toute notre faiblesse, toute notre misère, nous marchons courageusement à un but, nous nous trouvons souvent plus avancés en louvoyant que d'autres en faisant force de voiles et de rames. Et est-ce pourtant avoir un vrai sentiment de soi-même que de marcher l'égal des autres, ou même de les devancer? 10 novembre. Je commence à me trouver assez bien ici à certains égards. Le meilleur, c'est que l'ouvrage ne manque pas, et que ce grand nombre de personnages et de nouveaux visages de toute espèce forme une bigarrure qui me distrait. J'ai fait la connaissance du comte de C, pour qui je sens croître mon respect de jour en jour. C'est un homme de génie vaste, et que les affaires n'ont pas rendu insensible à l'amitié et à l'amour. Il s'intéressa à moi, à propos d'une affaire qui me donna l'occasion de l'entretenir. Il remarqua dès les premiers mots que nous nous entendions et qu'il pouvait me parler comme il n'aurait pas fait avec tout le monde. Aussi, je ne puis assez me louer de la manière ouverte dont il en use avec moi. Il n'y a pas au monde de joie plus vraie, plus sensible, que de voir une grande âme qui s'ouvre devant vous. 24 décembre. L'ambassadeur me tourmente beaucoup. Je l'avais prévu. C'est le sot le plus pointilleux qu'on puisse voir, marchant pas à pas et minutieux comme une vieille femme. C'est un homme qui n'est jamais content de lui-même et que personne ne peut contenter. Je travaille assez couramment et je ne retouche pas volontiers. Il sera homme à me rendre un mémoire et à me dire « Il est bien, mais renvoyez-le, on trouve toujours un meilleur mot, une particule plus juste ». Alors je me donnerai au diable de bon cœur.
pas un « et », pas la moindre conjonction ne peut être omise. Et il est ennemi mortel de toute inversion qui m'échappe quelquefois. Si une période n'est pas construite suivant sa vieille routine de style, il n'y entend rien. C'est un martyr que d'avoir affaire à un tel homme. La confiance du comte de C est la seule chose qui me dédommage. Il n'y a pas longtemps qu'il me dit franchement combien il était mécontent de la lenteur, des minuties et de l'irrésolution de mon ambassadeur. Ces gens-là sont insupportables à eux-mêmes et aux autres. Et cependant, disait le comte, il faut en prendre son parti, comme un voyageur qui est obligé de passer une montagne. Sans doute, si la montagne n'était pas là, le chemin serait bien plus facile et plus court. Mais elle y est, et il faut passer. Mon vieux s'aperçoit bien de la préférence que le comte me donne sur lui, ce qui l'égrite encore. Et il saisit toutes les occasions de parler mal du comte devant moi. « Le comte, me disait-il, connaît assez bien les affaires. Il a de la facilité, il écrit fort bien. Mais la grande érudition lui manque, comme à tous les beaux esprits. » Il accompagna ces mots d'une mine qui disait « Sens-tu le trait ?» Je me sentis du mépris pour l'homme capable de penser et d'agir de la sorte. Je lui tins tête. Je répondis que le comte méritait toute considération, non pas seulement pour son caractère, mais aussi pour ses connaissances. « Je ne sache personne, dis-je, qui ait mieux réussi que lui à étendre son esprit, à l'appliquer à un nombre infini d'objets, tout en restant parfaitement propre à la vie active. » Tout cela était de l'hébreu pour lui. Je lui tirai ma révérence pour n'avoir pas à dévorer ses longs raisonnements. Et c'est à vous que je dois m'en prendre, à vous qui m'avez fourré là et qui m'avez tant prôné l'activité. L'activité. Si celui qui plante des pommes de terre et va vendre son grain au marché n'est pas plus utile que moi, je veux ramer encore 10 ans sur cette galère où je suis enchaîné. Et cette brillante misère, cet ennui qui règne parmi ce peuple maussade qui se voit ici, cette manie de rang qui fait qu'ils se surveillent et s'épient pour gagner un pas l'un sur l'autre. Que de petites, de pitoyables passions qui ne sont pas même masquées. Par exemple, il y a ici une femme qui entretient tout le monde de sa noblesse et de ses biens. Pas un étranger qui ne doive dire « Voilà une créature à qui la tête tourne pour quelques quartiers de noblesse et quelques arpents de terre. » Eh bien, ce serait lui faire beaucoup de grâce. Elle est tout uniment fille d'un greffier du voisinage. Vois-tu, mon cher Wilhelm, je ne conçois rien à cette orgueilleuse espèce humaine qui a assez peu de bon sens pour se prostituer aussi platement. Au reste, il n'est pas sage. J'en conviens et je le vois davantage tous les jours, de juger les autres d'après soi. J'ai bien assez à faire avec moi-même, moi dont le cœur et l'imagination recèlent tant d'orages. Hélas, je laisse bien volontiers chacun aller son chemin, si l'on voulait me laisser aller de même. Ce qui me vexe le plus, ce sont ces misérables distinctions de société. Je sais aussi bien qu'un autre combien la distinction des rangs est nécessaire, combien d'avantages elle me procure à moi-même. Mais je ne voudrais pas qu'elle me barrât le chemin qui peut me conduire à quelque plaisir et me faire jouir d'une chimère de bonheur. Je fis dernièrement connaissance à la promenade d'une demoiselle de B, jeune personne qui, au milieu des airs empesés de ceux avec qui elle vit, a conservé beaucoup de naturel. L'entretien nous plut, et lorsque nous nous séparâmes, je lui demandai la permission de la voir chez elle. Elle me l'accorda avec tant de cordialité que je pouvais à peine attendre l'heure convenable pour l'aller voir. Elle n'est point de cette ville et demeure chez une tante. La physionomie de la vieille tante ne me plut point.
je lui témoignais pourtant les plus grandes attentions et lui adressais presque toujours la parole. En moins d'une demi-heure, je démêlais ce que l'aimable nièce m'a avoué depuis, que la chère tante était dans un grand dénuement de tout, qu'elle n'avait, en fait d'esprit et de bien, pour toute ressource que le nom de sa famille, pour tout abri que le rang derrière lequel elle est retranchée, et pour toute récréation que le plaisir de regarder fièrement les bourgeois du balcon de son premier étage. Elle doit avoir été belle dans sa jeunesse. Elle a passé sa vie à des bagatelles et a fait le tourment de plusieurs jeunes gens par ses caprices. Dans un âge plus mûr, elle a baissé humblement la tête sous le joug d'un vieil officier qui, pour une médiocre pension qu'il obtint à ce prix, passa avec elle le siècle des reins et mourut. Maintenant, elle se voit seule dans le siècle de fer et ne serait pas même regardée si sa nièce n'était pas si aimable. 8 janvier 1772. Quels hommes que ceux dont l'âme tout entière gît dans le cérémonial, qui passent toute l'année à imaginer les moyens de pouvoir se glisser à table à une place plus haute d'un siège. Ce n'est pas qu'ils manquent d'ailleurs d'occupation, tout au contraire, ces futiles débats leur taillent de la besogne et les empêchent de terminer les affaires importantes. C'est ce qui arriva la semaine dernière à une partie de traîneau. Toute la fête en fut troublée. Les fous, qui ne voient pas que la place ne fait rien, à vrai dire, et que celui qui a la première joue bien rarement le premier rôle. Combien de rois qui sont conduits par leurs ministres et de ministres qui sont gouvernés par leurs secrétaires. Et qui donc est le premier? Celui, je pense, qui a plus de lumière que les autres et assez de caractère ou d'adresse pour faire servir leur puissance et leur passion à l'exécution de ses plans. 20 janvier. Il faut que je vous écrive, aimable Charlotte, ici, dans la petite chambre d'une auberge de campagne où je me suis réfugiée contre le mauvais temps. Depuis que je végète dans ce triste D, au milieu de gens étrangers, oui, très étrangers à mon cœur, je n'ai trouvé aucun instant, aucun où ce cœur m'ait ordonné de vous écrire. Mais, à peine dans cette cabane, dans ce réduit solitaire où la neige et la grêle se déchaînent contre ma petite fenêtre, vous avez été ma première pensée. Dès que j'y suis entrée, votre idée, oh Charlotte, cette idée si vivifiante s'est d'abord présentée à moi. Grand Dieu, c'était tous les charmes de la première entrevue. Si vous me voyez, Charlotte, au milieu du torrent de distractions, comme tout mon être se flétrit. Pas un instant d'abondance de cœur, pas une heure où viennent aux yeux des larmes délicieuses. Rien, rien. Je suis là comme devant un spectacle de marionnettes. Je vois de petits hommes et de petits chevaux passer et repasser devant moi, et je me demande souvent si ce n'est point une illusion d'optique. Je suis acteur aussi. Je joue aussi mon rôle. Ou plutôt, on se joue de moi. On me fait mouvoir comme un automate. Je saisis quelquefois mon voisin par sa main de bois. Je recule en frissonnant. Le soir, je me propose de jouir du lever du soleil. Et le matin, je reste au lit. Pendant la journée, je me promets d'admirer le clair de lune et je ne quitte pas la chambre. Je ne sais pas au juste pourquoi je me couche, pourquoi je me lève. Le levain qui faisait fermenter ma vie me manque. Le charme qui me tenait éveillé au milieu des nuits et qui m'arrachait au sommeil le matin a disparu. Je n'ai trouvé ici qu'une seule créature qui mérite le nom de femme, Mademoiselle de B. Elle vous ressemble, Charlotte, si l'on peut vous ressembler. Oh, dites-vous, il se mêle aussi de faire des compliments. Cela n'est pas tout à fait faux. Depuis quelque temps, je suis fort aimable,
parce que je ne puis être autre chose. Je fais de l'esprit, et les femmes disent que personne ne s'est loué plus joliment que moi. Ni mentir, ajoutez-vous, car l'un ne va pas sans l'autre. Je voulais vous parler de Mademoiselle de B. Elle a beaucoup d'âme, et cette âme perce tout entière à travers ses yeux bleus. Son rang lui est à charge, il ne contente aucun des désirs de son cœur. Elle aspire à se voir hors du tumulte, et nous passons quelquefois des heures entières à nous figurer un bonheur sans mélange au milieu de scènes champêtres. Charlotte, toujours avec nous. Ah, combien de fois n'est-elle pas obligée de vous rendre hommage ? Elle le fait volontiers. Elle a tant de plaisir à entendre parler de vous. Elle vous aime. Oh, si j'étais assis à vos pieds dans votre petite chambre favorite, tandis que les enfants sauteraient autour de nous. Quand vous trouveriez qu'ils feraient trop de bruit, je les rassemblerais tranquilles auprès de moi, en leur contant quelque effrayant conte de ma merloie. Le soleil se couche majestueusement derrière ces collines resplendissantes de neige. La tempête s'est apaisée. Et moi ? Il faut que je rentre dans ma cage. Adieu. Albert est-il auprès de vous ? Et comment ? Dieu me pardonne cette question. 8 février. Voilà 8 jours qu'il fait le temps le plus affreux. Et je m'en réjouis. Car depuis que je suis ici, il n'a pas fait un beau jour qu'un importun ne soit venu me l'enlever ou me l'empoisonner. Au moins, lorsqu'il pleut, vente, gèle et dégèle, il ne peut faire, me dis-je, plus mauvais à la maison que dehors, ni meilleur au champ qu'à la ville. Et je suis content. Si le soleil levant promet une belle journée, je ne puis m'empêcher de m'écrier. Voilà donc encore une faveur du ciel qu'ils peuvent s'enlever. Il n'est rien au monde qu'ils ne soient à eux-mêmes, la plupart par imbécilité. Mais, à les entendre, dans les plus nobles intentions. Santé, estime de soi-même, joie, repos, ils se privent de tout comme un plaisir. Je serais quelquefois tentée de les prier à genoux d'avoir pitié d'eux-mêmes et de ne pas se déchirer les entrailles avec tant de fureur. 17 février. Je crains bien que l'ambassadeur et moi, nous ne soyons pas longtemps d'accord. Cet homme est complètement insupportable. Sa manière de travailler et de conduire les affaires est si ridicule que je ne puis m'empêcher de le contrarier et de faire souvent à ma tête. Ce qui, naturellement, n'a jamais l'avantage de lui agréer. Il s'en est plaint dernièrement à la cour. Le ministre m'a fait une réprimande. Douce à la vérité. Mais enfin, c'était une réprimande. Et j'étais sur le point de demander mon congé, lorsque j'ai reçu une lettre particulière de lui, une lettre devant laquelle je me suis mise à genoux pour adorer le sens droit, ferme et élevé qu'il a dicté. Tout en louant mes idées ou traits d'activité, d'influence sur les autres, de pénétration dans les affaires, qu'il traite de noble ardeur de jeunesse, il tâche, non de détruire cette ardeur, mais de la modérer et de la réduire à ce point où elle peut être de mise et avoir de bons effets. Aussi, me voilà encouragée pour 8 jours et réconciliée avec moi-même. Le repos de l'âme est une superbe chose, mon ami. Pourquoi faut-il que ce diamant soit aussi fragile qu'il est rare et précieux ? 20 février. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et vous rende tous les jours de bonheur qu'il me retranche. Je te rends grâce, Albert, de m'avoir trompé. J'attendais la vie qui devait m'apprendre le jour de votre mariage, et je m'étais promis de détacher, ce même jour, avec solennité, la silhouette de Charlotte de la muraille et de l'enterrer parmi d'autres papiers. Vous voilà unis, et son image est encore ici. Elle y restera. Et pourquoi non ? La mienne n'est-elle pas aussi chère chez vous ? Ne suis-je pas aussi sans te nuire dans le cœur de Charlotte ? J'y tiens, oui.
J'y tiens la seconde place et je veux, je dois la conserver. Oh, je serais furieux si elle pouvait oublier. Albert, l'enfer est dans cette idée. Albert, adieu. Adieu, ange du ciel. Adieu, Charlotte. 15 mars. J'ai essuyé une mortification qui me chassera d'ici. Je grince les dents. Diable, c'est une chose faite. Et c'est encore à vous que je dois m'en prendre. À vous qui m'avez aiguillonné, poussé, tourmenté pour me faire prendre un emploi qui ne me convenait pas et auquel je ne convenais pas. Eh bien, voilà où j'en suis. Soyez contents. Et afin que tu ne dises pas encore que mes idées grossissent tout, je vais, mon cher, t'exposer le fait avec toute la précision et la netteté d'un chroniqueur. Le comte de C, même, me distingue. On le sait, je te l'ai dit 100 fois. Je dînais hier chez lui. C'était son jour de grande soirée. Il reçoit ce jour-là toute la haute noblesse du pays. Je n'avais nullement pensé à cette soirée. Surtout, il ne m'était jamais venu dans l'esprit que nous autres subalternes, nous ne sommes pas là à notre place. Fort bien. Après le dîner, nous passons au salon, le comte et moi. Nous causons. Le colonel de B survient, se mêle de la conversation, et insensiblement, l'heure de la soirée arrive. Dieu sait si je pense à rien. Alors, entre très haute et très puissante dame de S, avec son noble époux, et leur oison de fille avec sa gorge plate et son corps effilé et tiré au cordeau. Ils passent auprès de moi avec un air insolent et leur morgue de grand seigneur. Comme je déteste cordialement cette race. Je voulais tirer ma révérence et j'attendais seulement que le comte fût délivré du babil dont on l'accablait. Lorsque mademoiselle de B entra. Je sens toujours mon cœur s'épanouir un peu quand je la vois. Je demeurai, je me plaçai derrière son fauteuil, et ce ne fut qu'au bout de quelque temps que je m'aperçus qu'elle me parlait d'un ton moins ouvert que de coutume, et avec une sorte d'embarras. J'en fus surpris. Est-elle aussi comme tout ce monde-là ? Dis-je en moi-même. Que le diable l'emporte. J'étais piqué. Je voulais me retirer, et cependant je restais encore. Je ne demandais qu'à la justifier. J'espérais un mot d'elle, et ce que tu voudras. Cependant, le salon se remplit. C'est le baron de F, couvert de toute la garde-robe du temps du couronnement de François Ier. Le conseiller R, annoncé ici sous le titre d'excellence et accompagné de sa sourde moitié. Sans oublier le ridicule de J, qui mêle dans tout son habillement le gothique à la mode la plus nouvelle. J'adresse la parole à quelques personnes de ma connaissance que je trouve fort laconiques. Je ne pensais et ne prenais garde qu'à mademoiselle de B. Je n'apercevais pas que les femmes se parlaient à l'oreille au bout du salon, qu'il circulait quelque chose parmi les hommes, que madame de S s'entretenait avec le comte. Mademoiselle de B m'a raconté tout cela depuis. Enfin, le comte vint à moi et me conduisit dans l'embrasure d'une fenêtre. « Vous connaissez, me dit-il, notre bizarre étiquette. La société, à ce qu'il me semble, ne vous voit point ici avec plaisir. Je ne voudrais pas pour tout... »« Excellence, lui dis-je en l'interrompant, je vous demande 1000 pardons. J'aurais dû y songer plus tôt. Vous me pardonnerez cette inconséquence. » J'avais déjà pensé à me retirer. Un mauvais génie m'a retenu, ajoutai-je en riant et en lui faisant ma révérence. Le comte me serra la main avec une expression qui disait tout. Je saluai l'illustre compagnie, sortis, montai en cabriolet et me rendis à M pour y voir de la montagne le soleil se coucher. Et là, je lus ce beau chant d'Homère où il raconte comme Ulysse fut hébergé par le digne Porcher. Tout cela était fort bien.
Je revins le soir pour souper. Il n'y avait encore à notre hôtel que quelques personnes qui jouaient au dé sur le coin de la table, après avoir écarté un bout de la nappe. Je vis entrer l'honnête Adela. Il accrocha son chapeau en me regardant, vint à moi et me dit tout bas « Tu as eu des désagréments ?»« Moi ?»« Le comte t'a fait entendre qu'il fallait quitter son salon. » »« Oh diable, salon ! J'étais bien aise de prendre l'air. » « Fort bien, dit-il. Tu as raison d'en rire. Je suis seulement fâchée que l'affaire soit connue partout. » Ce fut alors que je me sentis piquée. Tous ceux qui venaient se mettre à table et qui me regardaient me paraissaient au fait de mon aventure et le sang me bouillait. Et maintenant que partout où je vais, j'apprends que mes envieux triomphent en disant que pareille chose est due à tout fat. Pour quelques grains d'esprit, se croit permis de braver toutes les bienséances et autres sottises semblables, alors on se donnerait volontiers d'un couteau dans le cœur. Qu'on dise ce qu'on voudra de la fermeté, je voudrais voir celui qui peut souffrir que des gredins glosent sur son compte lorsqu'ils ont sur lui quelques prises. Quand leurs propos sont sans nul fondement, ah, l'on peut alors ne pas s'en mettre en peine. 16 mars. Tout conspire contre moi. J'ai rencontré aujourd'hui Mademoiselle de B à la promenade. Je n'ai pu m'empêcher de lui parler et, dès que nous nous sommes trouvés un peu écartés de la compagnie, de lui témoigner combien j'étais sensible à la conduite extraordinaire qu'elle avait tenue l'autre jour avec moi. « Faire tard, m'a-t-elle dit avec chaleur. Avez-vous pu, connaissant mon cœur, interpréter ainsi mon trouble? Que n'ai-je pas souffert pour vous depuis l'instant où j'entrais dans le salon? Je prévis tout. 100 fois j'eus la bouche ouverte pour vous le dire. Je savais que les S et les T quitteraient la place plutôt que de rester dans votre société. Je savais que le comte n'oserait pas se brouiller avec eux. Et aujourd'hui, quel tapage! Comment, mademoiselle? M'écriai-je. Et je cherchais à cacher mon trouble, car tout ce qu'Adela m'avait dit avant-hier me courait en ce moment par les veines comme une eau bouillante. « Que cela m'a déjà coûté !» ajouta cette douce créature, les larmes aux yeux. Je n'étais plus maître de moi-même, et j'étais sur le point de me jeter à ses pieds. « Expliquez-vous !» lui dis-je. Ses larmes coulèrent sur ses joues. J'étais hors de moi. Elle les essuya sans vouloir les cacher. « Ma tante, vous la connaissez, » reprit-elle. « Elle était présente et elle a vu. Ah, oh, de quel œil elle a vu cette scène. Faire tard, j'ai essuyé hier soir et ce matin un sermon sur ma liaison avec vous. Et il m'a fallu vous entendre ravaler, humilier, sans pouvoir, sans oser vous défendre qu'à demi. » Chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poignard pour mon cœur. Elle ne sentait pas quel acte de compassion c'eût été que de me taire tout cela. Elle ajoute tout ce qu'on disait encore de mon aventure et quel triomphe ce serait pour les gens les plus dignes de mépris. Comme on chanterait partout que mon orgueil et ses dédains pour les autres, qu'il me reprochait depuis longtemps, étaient enfin punis. Entendre tout cela de sa bouche, Wilhelm, prononcé d'une voix si compatissante, j'étais atterrée. Et j'en ai encore la rage dans le cœur. Je voudrais que quelqu'un s'avisât de me vexer pour pouvoir lui passer mon épée au travers du corps. Si je voyais du sang, je serais plus tranquille. Ah, j'ai déjà 100 fois saisi un couteau pour faire cesser l'oppression de mon cœur. L'on parle d'une noble race de chevaux qui, quand ils sont échauffés et surmenés, s'ouvrent eux-mêmes par instinct, une veine avec les dents pour se faciliter la respiration. Je me trouve souvent dans le même cas. Je voudrais m'ouvrir une veine qui me procurera la liberté éternelle. 24 mars. J'ai offert ma démission à la cour. J'espère qu'elle sera acceptée. Vous me pardonnerez si je ne vous ai pas préalablement demandé votre permission. Il fallait que je partisse.
et je sais d'avance tout ce que vous auriez pu dire pour me persuader de rester. Ainsi, tâchez de dorer la pilule à ma mère. Je ne saurais me satisfaire moi-même. Elle ne doit donc pas murmurer si je ne puis la contenter non plus. Cela doit sans doute lui faire de la peine, voir son fils s'arrêter tout à coup dans la carrière qui devait le mener au conseil privé et aux ambassades, le voir revenir honteusement sur ses pas et remettre sa monture à l'écurie. Faites tout ce que vous voudrez, combinez tous les cas possibles où j'aurais dû rester. Il suffit, je pars. Et afin que vous sachiez où je vais, je vous dirai qu'il y a ici le prince de... qui se plaît à ma société. Dès qu'il a entendu parler de mon dessein, il m'a prié de l'accompagner dans ses terres et d'y passer le printemps. J'aurai liberté entière, il me l'a promis. Et comme nous nous entendons jusqu'à un certain point, je veux courir la chance et je pars avec lui. 19 avril. Je te remercie de tes deux lettres. Je n'y ai point fait de réponse parce que j'avais différé de t'envoyer celle-ci jusqu'à ce que j'eusse obtenu mon congé de la cour, dans la crainte que ma mère ne s'adressât au ministre et ne gênât mon projet. Mais c'est une affaire faite, le congé est arrivé. Il est inutile de vous dire avec quelle répugnance on a accepté cette démission, et tout ce que le ministre m'a écrit. Vous éclateriez en lamentations. Le prince héréditaire m'a envoyé une gratification de 25 ducats, qu'il a accompagné d'un mot dont j'ai été touchée jusqu'aux larmes. Je n'ai donc pas besoin de l'argent que je demandais à ma mère dans la dernière lettre que je lui écrivis. 5 mai. Je pars demain. Et comme le lieu de ma naissance n'est éloigné de ma route que de 6 milles, je veux le revoir et me rappeler ces anciens jours qui se sont évanouis comme un songe. Je veux entrer par cette porte par laquelle ma mère sortit avec moi en voiture, lorsque, après la mort de mon père, elle quitta ce séjour chéri pour aller se renfermer dans votre insupportable ville. Adieu, Wilhelm, tu auras des nouvelles de mon voyage. 9 mai. Jamais pèlerin n'a visité les saints lieux avec plus de piété que moi les lieux qui m'ont vu naître, et n'a éprouvé plus de sentiments inattendus. Près d'un grand tilleul, qui se trouve à un quart de lieue de la ville, je fis arrêter, descendis de voiture, et dis au postillon d'aller en avant pour cheminer moi-même à pied, et goûter toute la nouveauté, toute la vivacité de chaque réminiscence. Je m'arrêtai là, sous ce tilleul, qui était dans mon enfance le but et le terme de mes promenades. Quel changement! Alors, dans une heureuse ignorance, je m'élançai plein de désirs dans ce monde inconnu, où j'espérais pour mon cœur tant de vraies jouissances qui devaient le remplir au comble. Maintenant, je revenais de ce monde. Oh, mon ami, que d'espérances déçues, que de plans renversés! J'avais devant les yeux cette chaîne de montagnes qu'enfant j'ai tant de fois contemplée avec un œil d'envie. Alors, je restais là, assis des heures entières. Je me transportais au loin en idées. Toute mon âme se perdait dans ces forêts, dans ces vallées, qui semblaient me sourire dans le lointain, enveloppées de leurs voiles de vapeur. Et lorsqu'il fallait me retirer, que j'avais de peine à m'arracher à tous mes points de vue. Je m'approchai du bourg. Je saluai les jardins et les petites maisons que je reconnaissais. Les nouvelles ne me plurent point. Tous les changements me faisaient mal. J'arrivai à la porte et je me retrouvai à l'instant tout entier. Mon ami, je n'entrerai dans aucun détail. Quelque charme qu'aies-tu pour moi tout ce que je vis, je ne te ferai qu'un récit monotone. J'avais résolu de prendre mon logement sur la place, justement près de notre ancienne maison. En y allant, je remarquai que l'école, où une bonne vieille nous rassemblait dans notre enfance, avait été changée en une boutique d'épicier. Je me rappelai l'inquiétude, les larmes, la mélancolie et les serrements de cœur que j'avais essuyés dans ce trou.
je ne faisais pas un pas qui n'amenât un souvenir. Non, je le répète, un pèlerin de la Terre Sainte trouve moins d'endroits de religieuse mémoire, et son âme n'est peut-être pas aussi remplie de saintes affections. Encore un exemple. Je descendis la rivière jusqu'à une certaine métairie où j'allais aussi fort souvent autrefois. C'est un petit endroit où nous autres enfants faisions des ricochets à qui mieux mieux. Je me rappelle si bien comme je m'arrêtais quelquefois à regarder couler l'eau. Avec quelle singulière conjecture j'en suivais le cours. Les idées merveilleuses que je me faisais des régions où elles parvenaient. Comme mon imagination trouvait bientôt des limites, et pourtant ne pouvait s'arrêter, et se sentait forcée d'aller plus loin encore, jusqu'à ce qu'enfin je me perdais dans la contemplation d'un éloignement infini. Vois-tu, mon ami, nos bons aïeux n'en savaient pas plus long. Ils étaient bornés à ce sentiment enfantin, et il y avait pourtant bien quelque grandiose dans leur crédulité naïve. Quand Ulysse parle de la mer immense, de la terre infinie, cela n'est-il pas plus vrai, plus proportionné à l'homme, plus mystérieuse à la fois et plus sensible, que quand un écolier se croit aujourd'hui un prodige de science parce qu'il peut répéter qu'elle est ronde? La terre, il n'en faut à l'homme que quelques mottes pour soutenir sa vie, et moins encore pour y reposer ses restes. Je suis actuellement à la maison de plaisance du prince. Encore peut-on vivre avec cet homme-ci. Il est vrai et simple. Mais il est entouré de personnages singuliers que je ne comprends pas. Ils n'ont pas l'air de fripons et n'ont pas non plus la mine d'honnêtes gens. Ils me font des avances et je n'ose me fier à eux. Ce qui me fâche aussi, c'est que le prince parle souvent de choses qu'il ne sait que par oui dire ou pour les avoir lues, et toujours dans le point de vue où on les lui a présentées. Une chose encore, c'est qu'il fait plus de cas de mon esprit et de mes talents que de ce cœur dont seulement je fais vanité, et qui est seul la source de tout, de toute force, de tout bonheur et de toute misère. Ah, ce que je sais, tout le monde peut le savoir, mais mon cœur n'est qu'à moi. 25 mai. J'avais quelque chose en tête dont je ne voulais vous parler qu'après coup. Mais puisqu'il n'en sera rien, je puis vous le dire actuellement. Je voulais aller à la guerre. Ce projet m'a tenu longtemps au cœur. Ça a été le principal motif qui m'a engagé à suivre ici le prince, qui est général au service de Russie. Je lui ai découvert mon dessein dans une promenade. Il m'en a détourné. Et il y aurait eu plus d'entêtement que de caprice à moi de ne pas me rendre à ses raisons. 14 juin. Dis ce que tu voudras. Je ne puis demeurer ici plus longtemps. Que faire ici? Je m'ennuie. Le prince me regarde comme un égal. Fort bien. Mais je ne suis point à mon aise. Et dans le fond, nous n'avons rien de commun ensemble. C'est un homme d'esprit, mais d'un esprit tout à fait ordinaire. Sa conversation ne m'amuse pas plus que la lecture d'un livre bien écrit. Je resterai encore 8 jours. Puis, je recommencerai mes courses vagabondes. Ce que j'ai fait de mieux ici, ça a été de dessiner. Le prince est amateur et serait même un peu artiste, s'il était moins engoué du jargon scientifique. Souvent je grince les dents d'impatience et de colère lorsque je m'échauffe à lui faire sentir la nature et à l'élever à l'art, et qu'il croit faire merveille s'il peut mal à propos fourrer dans la conversation quelques termes bien techniques. 16 juillet. Oui, sans doute, je ne suis qu'un voyageur, un pèlerin sur la terre. Êtes-vous donc plus ? 18 juillet. Où je prétends aller ? Je te le dirai en confidence. Je suis forcée de passer encore 15 jours ici. Je me suis dit que je voulais ensuite aller visiter les mines de... Mais, dans le fond, il n'en est rien.
Je ne veux que me rapprocher de Charlotte. Et voilà tout. Je ris de mon propre cœur. Et je fais toutes ses volontés.